de la société, tout en souhaitant vivement la participation du Premier ministre Ariel Henry, que nous avons invité officiellement. Les patrons bonheur pour nous voyer gros coquin chaîne compliment à tout secteur qui ont même te souhaité les bons offices du Sénat. Un gros coquin chaîne compliment à évêque, l'Église catholique, en pile leader moral, en pile leader politique, qui croit que eux-mêmes, c'est seulement consensus qui est capable de mener nous sous voie libération que nous avons souhaité pour le pays. La détérioration de notre société haïtienne est manifeste pour exiger le consensus au lieu de la confrontation stupide. Et je dis bien stupide. Le Sénat réitère sa position ferme qui constatait jeudi à même, à minuit, fin service Premier ministre de fête là, que le tabac a payé. Et donc, Wally Jouné jeudi a consisté seulement à liquider les affaires courantes. En ce sens, nous demandons au Premier ministre pour ne pas outrepasser les limites que la loi à la constitution pays en Bali par rapport à nouveau statut que le gagne jeudi. Et surtout, pour ne pas aller au-delà de compétences pour engager l'État plus loin côté l'État doit poutil. M'entendre pas là. Mettez conseil électoral campé. Fait assemblée constituante. Prend un ensemble d'initiatives pour faire des gros projets d'envergure pour le pays. N'a dit, Premier ministre, rôle li confiné à partir de jeudi à liquider uniquement les affaires courantes. Et c'est ça que fait, nous dit Premier ministre. Et nous dit tout le monde de bonne foi qui est dans le pays, pour associer à Sénat. Et me tendez Premier ministre à travers Miami Herald qui dit que ta content chita avec 10 sénateurs nous prennent au mot et nous allons inviter associer à nous pour nous capables bon côté CSPJ bon côté tout acteur qui gagne accord qui gagne consensus pour que définitivement nous mettez pays à l'autre côté sa pays à vivre là n'est pas mérité. Pour l'autre monde qui a encouragé le Premier ministre, aller dans la mauvaise voie, n'a dit, ce n'est pas plus bon voir. On évite de mettre en grès dans le jardin diable. Je ne veux dire, on te dit, et qu'on voit déjà, drap chiré net, pas de drap encore qui pour couvrir pièce pied moun. Nous pas capables de craser la dernière chance que nous gagnons pour nous vivre sous bout de terre. N'a dit attention, PM. Craser bouteille là, c'est une. Mais ramasser zingrin bouteille là, c'est deux. La situation est trop grave. Elle ne permet à aucun groupe, à aucun secteur de ruser avec les règles pour profiter des miettes. Il n'y a plus rien à prendre. Nous avons à ramasser notre pays, le relever avant de penser au pouvoir, à prendre par le biais des urnes, bien sûr. Parce que de toute façon, nous sommes pour des élections. Nous devons aller aux élections. Nous devons réunir les conditions indispensables pour la tenue de ces élections. Et cela doit passer obligatoirement et nécessairement par la tenue de ce congrès de consensus. Notre réunion ou notre congrès de consensus se propose d'avoir autour de la table les différentes tendances des différents secteurs de la vie nationale pour dégager un consensus, le consensus vrai, le consensus véritable qui met un terme à la crise haïtienne qui nous déshonore
et nous avilir. Merci. Voilà, sénateur Joseph Lambert, qui est président dernier tiers Sénat, qui est en position d'initiative, d'après ça annoncé déjà, et dans des notes qui étaient sorties, ensemble avec sénateur Dumont et avec Message ça. Donc, on a fait deux tentatives pour poste président provisoire là, ça n'a pas marché. Et Ariel Henry déterminé le pan en bicéphale, c'est mono. Et c'est fal, mais ça va t'empêcher les mandats qui ont été arrivés selon plusieurs spécialistes. Dans le bout de terme du mois de janvier, tu as une rencontre avec Ariel Henry. Après ça, Ariel Henry a accepté à le répondre, alors que n'y a pas un premier ministre qui sortit dans les normes et constitutionnelles. Donc, nous connaissons pas dans la question constitution, nous pas dans la question loi, tout le monde est sous côté, tout pour nous faire ça au pipito. Et voilà, Joseph Lambert qui confirmait une initiative pour mettre plusieurs secteurs chita là-dedans, Ariel Henry. Est-ce que ça prend le bon résultat? Grand point d'interrogation. Et Joseph Lambert, qui est un pile monde dans le pays, a toujours qui est en embuscade pour poste président provisoire là. Et nous ne connaissons pas exactement qui ça et qui prend le passé. Alors que Ariel Henry, lui-même, lui est prêté plusieurs. Dans le langage Jovenel Moïse, monde qui besoin pouvoir c'est dans l'élection pour aller. Écoute, il montre le campé son bit point de fait, pas presque à la régala Jean Rouvinien. C'est qu'on s'en apprend, pratiquement, il s'en dit. Et donc, il a souvenir en théorie, soit une réponse dans Meni, d'après ça, le fait qu'on est. Et côté tout, il montre toute l'autre initiative qu'a pris Jean Montana. C'est Timoun qui a joué à terre. Donc, il campé son bit point de fait, pas. Qu'elle convoque aujourd'hui le peuple haïtien autour de cette date du 7 février qui rappelle la fin de la dictature des Duvaliers, un événement majeur qui aura marqué à jamais la vie politique de notre République. L'autorité de l'histoire se construit avec les dates qui permettent aux sociétés humaines de se situer entre le relief du passé et un présent à élargir sans cesse. C'est donc une démarche intellectuelle qui participe à la formation de la conscience de l'homme, toujours dans le besoin constant de saisir le mouvement de son évolution pour se projeter dans l'avenir. 36 ans déjà, c'est le temps de l'inventaire. C'est aussi le temps d'une génération qui a droit à des explications. Il est donc important de revoir les idées qui ont entouré le 7 février 1986, celles qui ont appelé une civilisation du nouvel être haïtien déterminé à redevenir propriétaire de lui-même pour être artisan de son pays. La Constitution du 29 mars 1987 aura été cette œuvre qui annonce le nouveau régime politique que les Haïtiennes et les Haïtiens ont choisi librement pour régler la vie institutionnelle dans leur pays. Le constat aujourd'hui, malheureusement, est que la démocratie a été détournée en faveur du populisme qui traduit un manque d'horizon greffé sur un fondement intellectuel qui n'a pas été à la hauteur des aspirations. Les conséquences sont telles que notre charte fondamentale en est sortie souillée par des imposteurs qui ont pris toutes les précautions pour empêcher la mise en place des institutions. Or, la culture repoussée cède toujours sa place à la barbarie. Et c'est ainsi que notre pays est devenu un lieu désert. Orphelin de son président assassiné, lâchement assassiné, pour qui encore aujourd'hui nous demandons justice. Avec son parlement réduit au tiers du Sénat et son pouvoir judiciaire qui résiste à l'asphyxie. La République d'Haïti est de facto aujourd'hui
Et la population est placée sous la dictature de la défiance. À la faveur de ces circonstances, et de manière très peu orthodoxe, en marge de toute légalité, la réalité du pouvoir est saisie par le Premier ministre qui n'est pas parvenu à l'exercer. Voilà 7 mois depuis que le docteur Ariel Henry, de son lieu, n'est pas en mesure de dire en quoi consiste son mandat, alors que les conditions de vie de la population continuent de se dégrader. L'État, qui n'a pas l'autorité, est donc incapable d'agir sur les sécurités. Okay. Nous obligés d'interrompre le discours du président Daniel Tiersena, sénateur Joseph Lambert, pour aller dans la primature. Et côté Premier ministre, gouvernement de facto, Ariel Henry, a pris la parole, Kounyela. Ariel Henry, nous supposons gagner. Recommencer à fonctionner normalement et démocratiquement. Après 36 ans, le peuple haïtien fin viré d'eau par dictature et adopter démocratie. L'important est urgent. Pour nous bailler le peuple la possibilité, ou c'est lui-même qui choisit d'urgent lieu. Je dis à 7 février, tout le monde qui dit que c'est démocrate, c'est fait pour gagner un seul souci dans cette tête. Qui j'en a fait pour quoi ça? Pour nous faire bonne élection, sans passe pour qui, sans magouille, sans distribution mille gouttes, sans violence, sans supplogramme. Souci tout démocrate, ça doit travailler dans tête ensemble. Pourquoi ça, l'élection n'a pas débouché sous contestation et pas venir mettre crise sous crise. Pourquoi ça, c'est le peuple haïtien qui voulait récamper. Pour choisir bon monde qui paraît pour respecter la loi. Qui est un bon projet pour remettre responsabilité ou du GPIA dans tout niveau. Mais, n'a rien pour nous reparler de ça une autre fois dans le détail. Finalement, élection, pour nous faire consultation populaire, pour adopter une nouvelle constitution, il y a un pile condition qui pour remplir. D'abord, pour question de sécurité à régler. Pour nous mettre en bas code, tout terroriste qui a gagné une balle sous innocent qui a passé, qui a kidnappé grand monde, couti monde, qui a simé d'œil dans la population. Nous ne pouvons pas demander des gens à l'élection. Si nous ne pouvons pas avoir une garantie, il y a une machine dans toute liberté, tout partout dans le pays. Et fait campagne dans toute ville, dans tout quartier. Ça n'a pas besoin de paix pour la vie. Tout gouvernement a travaillé sur ça. PNH, avec moyen de gagner en main, commence à remporter quelques victoires. Non, ça vient. Dans la quoi péris. Terminal gaz débloqué. La police a coiffé sa vie. Sérieusement, dans Basio, dans la zone Croix des Bouquets. L'école qui était fermée depuis plus de 3 ans, renouvrée dans plusieurs quartiers difficiles. Au fin d'année, tout le monde est arrivé, fêté sans problème. Nous avons changé plus de moyens, plus d'équipements, avec formation ou policiers nouveaux. Pour qu'on continue à mettre l'ordre dans les zones. Bandit dans l'ordre, mettre des barbios à la trempe, dans la privée sur eux.
Nous connaissons les affaires sécuritaires, c'est la principale préoccupation pour tout le monde. Nous avons résolu le problème. Nous ne pouvons pas demander au monde à l'élection si tout le monde n'a pas fait quatre démalogues là, confiance. C'est pour ça que nous lançons déjà un appel d'offres pour nous joindre un film international spécialisé. Cap bien pour nous venir faire une évaluation sérieuse. Ça y est, un audit sous système. Organisation internationale francophonie offre une aide vite. Sous drapeau noir, il y a un slogan qui dit l'union fait la force. Société noire, trois divisées. Il y a trop de chérépites, trop de gens dans le temps. Mettez pour mettre nous pour marcher à l'ouest tout secteur et des samedis faits. Ça mène nous dans l'accord 11 septembre 2021 qui rassemblait un pile gros partis politiques qui étaient comme à bataille l'une contre l'autre. En pile organisation société civile là, à l'organisation populaire. Depuis Haïtiens décidé de mettre tête ensemble, c'est un bon bagage. C'est pour ça, plusieurs fois, m'a rencontré compatriote Montanayo et m'a continué à longer mes bayou. Ça fait à peine 5 jours, m'étais chité à parler à compatriote Louisiane et m'a continué. Mais, il y a un bagage qui doit être clair pour tout le monde. Personne, oui, personne n'a gagné ni autorité, ni droit, réuni dans un hôtel ou à l'étranger, pour décider un petit comité qui monte qui pour président ou premier ministre. Tout ça, c'est jouer de tête. Tout ça, c'est distraction. Situation pays a trop grave. On perd du temps, nous. Dans les chaises médicales, dans tête l'État. Nous, ouais, depuis quelque temps, il y a des gens qui pensaient que c'est avec violence le cas prend pouvoir. 1er janvier, il y a fait tentative assassinat sous moi dans Gonaïve. Depuis quelques jours, il y a des gens qui décidaient de poser des actes terroristes. Vous passez sous moto, ou dans machine, tirez sous paisible citoyen. M'a dit tout le monde, qu'il y a une tentation servie à l'homme, à terroriste, à bandit armé, pour le prendre pouvoir, si un terroriste et un bandit armé n'a traité. Nous mettons, m'a privé sur tout, parce que nous commençons à identifier yo. Mais, la justice mettait en bas de corde, mais pas appelé tant de personnes dit ces persécutions politiques, ni ces prisonniers politiques qui ont lié. Permettez-moi de donner un gros coup de chapeau par le peuple haïtien. Sous la situation difficile que le pays a traversé là, démontrer maturité politique. Il y a des gens qui t'attendent, peuple apprend la rue, fait des ordres, boule caoutchouc, rase vite machine, détruit bâti machin. Mais je dis, peuple a compris, jouer de politique là. Vous qui fait philosophie. Pas des gens qui t'a fait bloquer pays, rase brisé, ni servi à qui, ou défendre intérêt politique, intérêt personnel. Frem, nous sommes mieux. Économie payante sous la grabat. Mais toujours penser, problème économique, c'est une source principale. Crise n'a traversé dans le pays depuis longtemps.
économie noire trop petite pour permettre 12 millions d'habitants vivre bien, jouer un travail, jouer un bon service dans l'État. Est-ce que nous connaissons que c'est seulement 5,6% de taxes l'État a réussi à ramasser dans l'économie qui a rétréci depuis 3 ans, alors que dans l'autre pays, dans la zone, c'est entre 17 à 21% pression fiscale là. Contrebande a détourné en pile l'argent qui t'a qu'à servir pour bailler peuple la plus service. Nous besoin plus investissement. Nous avons besoin de créer plus de jobs. C'est pour ça, maman des petits messieurs qui ont des âmes dans la main, à tout le monde qui a alimenté et servi à eux, pour yo poser et puis déposer. Faire à ce que mes peuples ont en misère, à empêcher les touristes de tourner dans le pays, à empêcher les investisseurs de créer un job. Moyens-nous limités. Nous avons cherché plus de ressources pour nous aider à faire qui plus mal. Nous connaissons bien une pile misère de loi. Qui donc, qui ça qui gagne pour nous joindre aux gens pour faire arriver ce monde qui pis pauvre dans le quartier populaire. Depuis quelque temps, on nous dit que l'international ne parle pas de parler à gouvernement haïtien. Mais qu'a annoncé nous. Dans le jour qui a fini là, le ministre des Finances va recommencer la discussion avec eux. Ça veut dire, j'ai fort à sacrifice nous fait et discipline nous mettez dans la gestion des finances publiques, commencer par preuve nous sérieux et nous faire nous confiance. Par annonce, nous tous, après une belle rencontre, le Canada a été organisé sous affaires sécurité en Haïti. 16 février, on a fait un gros rond-blé. Côté tout bailleur de fonds, pour regarder qui gens ont aidé nous dans le relèvement et la reconstruction du département dans le sous-pays, qui est dévasté par le tremblement de terre 14 août. Là. Nous avons sauvé le pays. Nous avons reparti sur une nouvelle base. C'est métier pour nous mettre tête nous ensemble. Nous n'avons pas perdu plus de temps. Nous avons avancé à nous qui voulons pour nous résoudre le problème d'insécurité. Mettez un KEP crédible en place. Organiser une consultation populaire pour valider la nouvelle constitution. Organiser bon gens élection pour nous remettre direction PIA rapide au presto dans le monde, peuple haïtien qui est pour choisir libre et libre dans tout niveau. N'apprendre public calendrier qui vous mène nous dans la mise en place institutions démocratiques nous. M'avait invité tout haïtien de bonne volonté pour lui protéger pour nous réussir projet ça. C'est un dialogue pour nous reconstruire l'état de droit ça. On continue de dialoguer. On demande bon Dieu éclairer nous tous pour nous faire bon choix dans l'intérêt Haïti. Tout à l'heure. Merci.
Voilà, intervention Premier ministre qui est en tête au gouvernement de facto Ariel Henry, pas grand qu'une date. Il parlait de calendrier, il a publié, il fait plusieurs annonces et il montrait tout. Il campait son bitcoin ne fait pas, côté le voyant pile toya, et pas aucun monde qui gagne ni autorité ni droit pour un petit comité pour faire main en côté, pour choisir monde pour diriger le pays. C'est distraction, c'est jouet à terre et il montrait.